Bonjour et bienvenue à l'après-cours RAC FMS 20 janvier 2022. Alors, à l'ordre du jour aujourd'hui, je vais faire un petit partage d'écran. Alors, tout simplement, l'ordre du jour est simple. Bon, mot de bienvenue. On regarde l'ordre du jour. Ce serait le fun là, qu'on fasse un petit tour, là, les projets, comment ça se passe pour ceux qui ont débuté des projets. Puis après ça, j'aimerais ça qu'on parle de l'étape de l'observation des compétences en milieu de travail, ceux qui en ont fait, comment ça s'est passé, des trucs, des astuces. J'aimerais ça pour commencer, peut-être qu'on puisse faire un petit tour, là, les gens qui sont présents, ceux qui en ont des projets en cours, ce serait le fun que vous puissiez prendre la parole pour dire vous êtes dans pour quel métier, quel type de milieu, est-ce que vous avez plus passé par l'employeur, vous avez passé plus les appels aux personnes candidates, je sais qu'il y en a qui faisaient plus le mandat de faire le suivi avec les personnes décrocheurs, donc ça serait le fun là, qu'on fasse des petits échanges sur vos travaux en cours, aux travaux en cours suspendus. Là, je peux comprendre qu'avec dans la cinquième vague COVID, c'est pas le meilleur moment pour développer aller cogner aux entreprises, là. Mais je sais qu'il y avait quand même des choses qui étaient en cours. Fait que je vais vous laisser prendre la parole pour dire un peu où est-ce que vous êtes rendu, c'est quoi vos milieux. C'est toujours pour inspirer les autres, se donner des idées. C'est intéressant. Je vais commencer? Oui. J'ai le goût de briser la glace. Moi, j'ai approché une entreprise qui s'occupe de réinsertion sociale, qui accueille des gens qui sont des décrocheurs toxicomanie ou alcoolisme. Puis, ils ont un restaurant. Puis, pour les aider à sortir, bien, ils les emploient après. Fait qu'il y en a qui travaillent là depuis longtemps. Puis là, je suis en train de faire de la reconnaissance d'acquis avec les gens qui sont employés à l'intérieur du restaurant. Pour quel métier? Hey, j'aimerais ça, là, quand vous prenez la parole, dites votre nom complet, puis vous êtes pour quel centre de service scolaire? C'est le fun. Isabelle Tourangeau, centre de service scolaire des Hautes-Laurentides, à Mont-Laurier. Merci. Puis là, je suis en train d'évaluer aide cuisinière. J'ai serveuse que j'ai fini, service aux tables. Puis, c'est pas mal ça. J'ai plusieurs aides cuisinières au niveau de ce restaurant-là. Puis l'autre, qu'est-ce qu'ils font comme style de bouffe? Un peu de tout, là. C'est vraiment des repas qui sont un petit peu plus gastronomiques, là. C'est un restaurant qui est bien coté. Effectivement, là, ça a tombé comme un petit peu au ralenti, là. Ça peut être intéressant dans un deuxième temps de réfléchir pour ces personnes-là, un parcours, s'il n'y aurait pas la pertinence, après, de leur offrir un parcours tranquillement vers la RAC FP, tu sais, pour être cuisinier, s'ils continuent à travailler là, qu'ils font plus de choses, tu sais, gardez-le toujours en tête. On a des adultes, on les met en mouvement, on leur donne confiance. Vous savez, la RAC en FP, il n'y a pas non plus de préalable. Fait que vraiment de réfléchir, là, votre clientèle, ils vous connaissent, ils ont confiance en toi, Isabelle, j'en ai aucun doute. Mais après ça, là, c'est un coup qu'ils ont leur RAC FMS, est-ce qu'on finit là où on dit qu'est-ce qu'on fait après? T'sais, c'est quoi les services après? T'sais, service aux tables, il l'a en métier semi-spécialisé. Il l'a aussi au DEP. Hein? Là, t'sais, quand ils font vraiment des services sur mon tête, service du vin, puis tout ça, fait que selon la nature du restaurant, des fois, c'est le fun de l'avoir un petit peu en arrière de la tête. J'en ai une qui est chef cuisinière, là, qui s'occupe de la cuisine. Fait qu'elle, ça ne s'appliquait pas à elle, mais c'est comme à 2 heures de route pour aller faire la reconnaissance. Le métier en cuisine se donne à Sainte-Adèle. Nous, on est un petit peu loin. Fait que déjà, ça l'a bloqué. J'ai dit, toi, il faudrait que tu ailles vers ça. Bien, des fois aussi, c'est de faire le lien, puis je sais, mais vous savez, moi, je suis pour le Centre d'expertise en reconnaissance de carrière en formation professionnelle, là, fait que c'est ça, là, des fois, il y a des choses que je parle plus que d'autres, mais à ce moment-là, ça vaut la peine, toi, que tu fasses un appel de courtoisie au conseiller RAC de Saint, tu sais, qui est plus loin pour dire, tu sais, j'ai une personne, elle pourrait être, tu sais, mais est-ce que vous pourriez à ce moment-là, parce que des fois, le spécialiste de contenu, il peut se déplacer, puis là, on fait vraiment des séances sur place. Ça se fait. Et à ce moment, on peut vraiment évaluer sur place. Fait que des fois, ils vont venir, puis si la personne, là, elle fait vraiment toutes les tâches du cuisinier, bien, des fois, ils peuvent évaluer
plusieurs compétences en un déplacement, puis à ce moment-là, ça vaut la peine. Fait que Claude dit, okay. Hey, c'est loin, on ne fera pas de démarche. Toi, fais un appel de courtoisie pour voir qu'est-ce qui est possible. OK. Dans l'entrevue de validation à distance, puis des fois, il peut y avoir, tu sais, des fois, on fait participer la personne à un événement, puis on reconnaît plusieurs compétences. Donc, tu sais, ça vaut la peine, tu sais, de travailler ensemble, le réseau de l'éducation, pour amener plus loin, là, nos personnes. Super, merci. Bien, merci, Isabelle. Alors, Isabelle a cassé la glace. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait parler? Où est-ce que vous êtes rendue? Tu sais, on est là pour échanger. Hein. Des fois, ça se peut que vous ayez vécu des écueils puis vos projets n'aient pas marché. C'est le fun de le partager parce qu'on réfléchit aussi de ce côté-là. Bonjour, André Pelletier au Centre de services scolaires des Draveurs à Gatineau. Moi, j'ai fait une rencontre la semaine dernière avec l'enseignante qui fait le FMS et qui est aussi pour la RAC. Puis, on est allé rencontrer la ville de Gatineau, pour les brigadiers scolaires. Puis, ben là, moi, c'était la première, puis ensemble, fait que c'était, c'est ça, au début, c'était pas trop naturel, mais ce qui m'a sauvée, c'est que moi, je suis au SARCA. Fait que j'ai pu, à un moment donné, l'employeur dit, ben là, ça me donne quoi de plus? Puis là, ben finalement, tu sais, j'étais un peu prise là, dans mes explications FMS. Là. Ça fait qu'à un moment donné, ben, j'ai embarqué et j'ai parlé de tout ce qu'on faisait au SARCA. Fait que, tu sais, je suis allée le chercher sur un autre côté. Puis finalement, il a fini par nous dire que lui, c'est un ancien gestionnaire du CISO en santé. Et il m'a plugué l'autre côté chez le CISO. Fait que, tu sais, je me suis dit, ah ben, je ne sais pas où ça va nous mener le brigadier scolaire, parce qu'à la ville, habituellement, ça leur prend le DES. Mais comme il manque d'employés partout, on s'est dit que ça pouvait être intéressant. Puis c'était une façon de faire connaître le service, puis de faire parler de nous. Puis c'est ça, je suis contente que ça l'ait donné ben, un contact chez un autre employeur. Fait qu'on commence tranquillement. Moi, c'est juste une petite partie de ma tâche, c'est pas ma tâche principale. Fait que, puis à cause de la COVID, ben comme tout le monde, hein, tu boucles, puis tu déboucles, puis tu arrêtes, puis tu repars. Fait que, puis on a eu changement de direction. Fait qu'en tout cas, il y a eu beaucoup de déplacements d'air, des fois que je trouve, mais j'ai trouvé ça intéressant. Puis, ben c'est ça. Ça fait un an que je lis les documents, puis je les relis, puis je les relis. Mais là, au moins, d'être allé chez l'employeur, puis de vous écouter, tu sais, ça donne plein d'idées, mais un moment donné, il faut chuter à l'eau. Fait que ça a été très, très intéressant comme rencontre. Fait que j'ai hâte de voir les petits, ça va nous amener. C'est quoi les outils que vous avez utilisés pour faire votre... Parce que c'était en présentiel, la présentation, ou c'était à distance à l'employeur? C'était en présentiel. Puis, c'est quoi les outils que vous avez utilisés pour présenter à l'employeur? Moi, j'avais amené les dépliants là, pour l'employeur puis pour l'employé. J'avais mon dépliant SARCA. Parce que c'est ça, il faut dire qu'on était en télétravail. Fait que qu'est-ce que j'avais dans mon sac de travail? Là, c'était, comment dire, quand ça a été booké, on ne pensait pas être en télétravail. Fait que j'avais une petite base et tout ça. Fait que, ouais, c'est ça qu'on a amené, là. Puis c'est là-dessus qu'on a parlé. C'est pas moi qui avais pris le contact avec l'employeur, c'était l'enseignante. Mais là, avec le CISO, c'est moi qui ai eu le contact. Fait que là, on s'est dit, on va se faire une rencontre, puis elle est prête à me faire rencontrer des gestionnaires. Fait que là, c'est certain que, tu sais, quand t'arrives, ben, je suis nouvelle dans le projet, puis comment ça marche, puis tu sais, où, hein, de prendre mes repères. Fait que là, ça va m'aider, là. Puis je sais qu'au CISO, ben ça prend un secondaire 3, fait que pour travailler là. Fait que au niveau de la scolarité, parce que c'est souvent ça pour ma clientèle externe, de courir après la documentation, éventuellement. Fait que c'est ça qu'on a utilisé. Fait que ça a été une rencontre d'à peu près une demi-heure, là. Mais c'était faire connaissance. Puis... je pense que ça va faire des petits éventuellement. Là. C'est ça.
Bien, merci André, parce que tu l'as dit, hein, ils vous ont nommé des fois peut-être des difficultés de recrutement. Tu sais, connaître la réalité de l'employeur, là, ça fait vraiment une des parties importantes de la rencontre là, avec ces employeurs-là. Puis toujours demander, vous rencontrez un employeur qui soit intéressé ou pas, hein, on peut toujours demander, connaissez-vous d'autres entrepreneurs qui auraient de l'intérêt? Tu sais, des fois, ils ont des réseaux, tout ça. Fait que de poser. Peut-être qu'ils vous en ont parlé comme ça, mais de poser la question, là, connaissez-vous, avez-vous une autre personne à qui on pourrait parler, tout ça, ça c'est vraiment des trucs là, de vente, réseautage, ça vaut la peine de dire, écoute, t'en as-tu un autre, avez-vous des, tu sais, des fois, ils ont des, ils ont des rencontres de villes, de ressources humaines, là, des municipalités, je pourrais aller présenter ça, là, fait que toujours avoir en tête, là, c'est surtout quand ça, mettons, la première rencontre, une chose, là, mais mettons que ça marche, tu continues, des fois, de dire, hey, avez-vous des moments de rencontre avec les gens comme vous, je pourrais les présenter. Fait, ces petits trains vont loin, puis bravo, André, d'être plongé dedans, parce que c'est sûr que moi, j'en ai fait du service aux entreprises, puis des rencontres. La première de ta vie, là, personne ne se sent hot, c'est normal, mais à un moment donné, là, pour être bon, ben c'est sûr, à la centième, on est hot parce qu'on en a fait 99 autres. Puis soyons humbles en disant, écoute, on se fait un bilan après, là, dans le char, là, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas dit, puis y aller à deux, surtout quand c'est des, tu sais, on est nouveau à le faire, y aller à deux, c'est vraiment stratégique. Comme ça, la chose que t'as pas pensé, ta collègue va le dire, fait que nous autres, c'est un truc qu'on faisait aussi quand on était moins solide, on y allait à deux, puis on s'encourageait. Mais oui, les brigadiers scolaires, c'est une excellente idée. T'sais, c'est quand même en lien avec le centre de services scolaires. Puis même s'ils demandent le DES, c'est quand même intéressant pour la personne. Puis un des éléments qu'on peut nommer à l'entreprise, c'est de dire, écoutez, ça va vous outiller pour évaluer si vos personnes font bien le travail. Parce que c'est difficile, là. T'en as partout sur leur territoire. Correct, pas correct. Moi, je suis parent, là, je m'en souviens là, qu'il y a une place, il y avait la brigadière. Des fois, il y a peut-être des petites choses à améliorer. Fait que c'est comme un bon outil là, de gestion pour supporter un petit peu plus là, le personnel. Fait que des fois, c'est de le montrer de cette manière-là. Oui, il y a Hélène qui lève la main. Hélène Forcier, peut-être nommer ton centre de service scolaire. Du chemin du roi. Nous, on commence. Moi, j'avais lu, j'avais préparé, je m'étais fait donner le mandat. Puis avant les fêtes, j'ai demandé une enseignante parce que je me trouvais pas mal tout seul dans mon équipe. On est deux, finalement, maintenant. Puis elle a travaillé dans le CFMS. Elle devait être avec nous cet après-midi. Elle s'appelle Joliane Tellier. Je ne sais pas ce qui est arrivé. J'ai peut-être mal expliqué comment se rendre, mais en tout cas, bref. Elle va travailler avec moi, on a préparé une pochette. J'attends juste l'impression du candidat, du guide pour l'employeur, puis le candidat. Et j'avais une question. Je trouve que je me suis fiée beaucoup au document qui s'appelle le plan d'organisation de la RAC FMS, que je trouve vraiment génial. Puis là-dedans, bien, la rencontre avec l'employeur, je me fie pas mal aux documents qui sont suggérés pour préparer ma rencontre. Puis le plan d'action, je me demandais c'était quoi? J'ai le schéma de la démarche et tout ça, mais le plan d'action, c'est-tu ce que je retrouve un peu dans les étapes à suivre? Je vais le partager, le plan d'action, Hélène. Okay. Parfait. C'est une excellente question. C'est quoi ça, le plan d'action? Écran 2, partage. Fait, quand on va sur notre fameux site des après-cours, pas des après-cours de la RAC FMS sur accompagnement FGA. On les a tous, les documents. Puis, quand on descend, on a plan d'action. Écoute, c'était très simple, le plan d'action. Là, c'est un petit document en Word. Là. C'est un tableau que j'avais fait. OK. Là, il est en train d'ouvrir. Ça va prendre une petite minute. OK, j'allais dans la bibliothèque. Moi, c'est pour ça. Mais c'est ce que dans les faits, c'est sûr que les appétits, dans le fond, tout ce qu'on a fait, tout ce que j'ai fait avec le ministère, avec le mandat du ministère, là, c'est vraiment sur le site des après-cours. Des fois, dans la bibliothèque, on va rajouter des choses de plus, mais on n'a pas nécessairement fait des doublons de tout. Mais il se retrouve là. Fait que le plan d'action, c'était très simple. Je vais vous le grossir.
On avait les étapes de la démarche, puis c'était qui fait quoi. Oh oui. Puis vous pouvez vous rajouter des colonnes sur un Word. Fait ici, vous pouvez aussi vous ajouter mettons, quelle date, là, puis ça peut être des vrais noms de personnes, là, c'est l'employeur, ça peut être Robert Machin, puis c'est le spécialiste du métier, Ginette Machin, puis vous autres, votre nom, fait que vous pouvez vraiment l'ajuster à votre goût, ajouter des colonnes, fait que c'est juste ça. Moi, quand j'avais fait mes propres expérimentations, c'est ce que l'entreprise, c'est eux autres, des fois, là, on dit des choses, mais c'est quoi donc? Fait qu'elle sortait le plan d'action à chacune des rencontres, elle dit « OK, on est rendu là », puis elle cochait. Fait qu'il y a ça ici. Sinon, il y a... fait que le plan d'action, il se retrouve là tout seul, mais sinon, je pense qu'on le retrouve aussi à la fin complètement du guide administratif. Je pense qu'on vous l'avait mis en annexe. Regardez, il est là aussi. Fait qu'on le retrouve en annexe, mais il est comme tout seul en document point doc aussi sur le site des après-cours. OK. Ben, donc, merci beaucoup. Fait que voilà, ben c'est ça. On est là pour ça. Fait que dans les faits, ben, comme Isabelle avait bien dit, hein, c'est André qui a dit, ben, on était rencontré l'employeur, j'ai dit quels outils? Elle a dit, ben, tu avais déjà les outils parce que tu étais imprimé. Fait que c'est sûr qu'à l'étape où ce que vous êtes, en effet, d'imprimer les outils, première étape. Imprimez vos outils et vous ayez vos affaires proches. Comme ça, la journée que vous avez une rencontre, tout est déjà prêt. Là. C'est génial. Ben, je ne cherchais pas au bon endroit. Puis, une autre question, il y avait des guides d'évaluation, le terme exactement, mais qui avaient été faits par d'autres commissions scolaires. Nous, on l'a fait là, parce que on vise un abattoir là, en premier. Puis, c'est pas tout à fait le même plan de formation. Là. C'est aide boucher industriel, je pense. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, il va falloir que tu prennes le gabarit de l'instrumentation. Oui, c'est fait. Puis à ce moment-là, que tu ailles vraiment sur le site des métiers semi-spécialisés. Puis là, c'est toi qui vas faire ton copier-coller. Actuellement, là, la sanction des études, elle a mis en disponibilité le gabarit. Puis c'est à vous de faire un petit copier-coller pour. C'est ça. On avait parlé à un moment donné qu'il y avait comme un partage de ces outils-là. Puis, ben moi, je me disais, dans un premier temps, c'était clair qu'il n'était pas là, là. Mais parce que je suis allée voir la liste des types de métiers puis quelles commissions scolaires. Mais mettons que je veux le partager, moi, y avait-tu une place où le déposer? Bien, à ce moment-là, je vais encore partager mon écran, puis Richard pourra compléter. Fait que dans les faits, quand vous allez où votre tableau de présence, c'est-tu dans le tableau de présence, Richard? Non, hein? Non, c'est dans l'ordre du jour. C'est dans l'ordre du jour. Dans tu cliques sur bibliothèque. OK. Parfait. Fait que là, on est vraiment sur le site des après-cours. Quand je clique sur « Documents », puis à ce moment-là, vous cliquez sur l'ordre du jour d'aujourd'hui. Okay. Je vais dans la bibliothèque. Puis à ce moment-là, il avait mis en haut, Richard, là, du tableau de la bibliothèque, il avait mis en haut ici « Liste d'instruments déjà développés par les CSS ». Fait qu'à ce moment-là, vous pouvez aller directement dedans. Tout le monde peut écrire dedans. Puis, est-ce que je ne me trompe pas, Richard, hein, c'est ça, c'est collaboratif. C'est ça que j'avais vu, c'est qu'on ne les voit pas, les documents, mais on voit quand même tous les titres avec qui il les a développés. Oui, parce que dans les faits, ce n'est pas un lieu d'hébergement des documents. Okay. Dans les faits, c'est par exemple, si je veux être coiffeur, bien, j'ai le courriel ici d'Isabelle Tourangeau, j'écris un courriel à Isabelle. Bonjour Isabelle. Blablabla. Bla, bla. Est-ce que tu peux me transférer de manière sécurisée ton instrumentation locale pour être coiffeur? Fait que là, présentement, là, qu'est-ce qu'on suggère, c'est que ça soit vraiment sur demande dans la situation là, qu'on a juste là, de la sanction des études, les gabarits. À ce moment-là, au moins savoir qui en a, puis vous le demandez directement là, à la personne. Ceux qui ont mis leur information là, c'est parce que ça va leur faire plaisir de l'échanger, en tout cas de vous le partager. Puis quand vous recevez une instrumentation qui est de nature locale, revérifiez au complet.
Parce que, je veux dire, on est humain, là, tu sais, des fois, les compétences facultatives, est-ce que c'est encore les bonnes? Donc, quand même, prenez le temps, là, de, quand c'est, de revalider, là, si tout est complet. Puis, j'ajoute aussi que, assurez-vous, parce qu'à un moment donné, il y avait eu une petite coquille, là, au niveau de l'instrumentation, le dernier document qui est l'évaluation, là, du métier, il faut que ce soit la signature, c'est l'enseignant, c'est pas le conseiller hiérarchique, là, c'est des petites choses... Des petits rappels. Parfait, merci. Ben, en tout cas, je ne regrette pas d'avoir posé la question parce que clairement, je ne cherchais pas bonne plan. Je cherchais dans la bibliothèque pour le plan d'action. Là. C'est ça. Puis n'hésitez pas à m'envoyer un petit courriel. Là. T'sais, juste ça. Là. Moi, je suis vraiment là pour vous aider. Marie, je ne trouve pas c'est où, dont telle affaire. Ben, ça fait partie de mon mandat de vous dire telle chose, c'est à tel endroit. Fait c'est plutôt de passer bien du temps, puis c'est un peu décourageant, surtout en situation de COVID, là, on sent tout le monde isolé. N'hésitez pas là, à faire appel à moi, là, ça fait partie aussi de mon mandat. C'est ça mon travail, vous aider, là, vous ne me dérangez jamais, ça me fait toujours plaisir. Bien, merci beaucoup. Fait que là, aviez-vous quand même réfléchi là, pour certains secteurs d'activité plus précis, Hélène? En premier, on va aller voir cet abattoir-là. Oui. On a déjà eu des stagiaires dans le passé. C'est un milieu qui est connu. C'est à Yamachiche. Et on pensait aussi aller flirter les épiceries qu'on avait faites, là, là où on a eu des stagiaires. Parce que l'enseignante avec qui je travaille, elle a fait le CFMS, qui n'a pas été long, là, parce qu'on l'a repris après SIS. Là. Mais bref, elle connaît quand même le dossier. Elle a même travaillé en FMS au secondaire quand elle était TES, est enseignante maintenant. Fait que c'est ça. On commence par l'abattoir, puis on veut aller dans les IGA aussi proches. Là. On a quand même une couple, dont un qui... Il y en a deux, c'est le même propriétaire. Puis il y avait aussi, ben, comme l'autre, comme j'avais parlé avant les fêtes, le village des valeurs. Ben, on a tout décortiqué les tâches, puis c'est complexe. En tout cas, il reste dans notre point de mire pareil. Bien, excellent. Bien, c'est sûr que d'y aller dans des endroits qu'il y a déjà eu en formation initiale là, du CFMS, bien, je veux dire, c'est le fun, ils vous connaissent déjà, ils savent déjà c'est quoi. Je trouve que c'est vraiment une belle manière de commencer notre service. On va commencer par les gens qu'on connaît. C'est, ça va, c'est vraiment une belle manière de débuter le développement. Puis des fois, juste l'abattoir, si ça fonctionne, là... C'est, je pense que Yamachiche, c'est un gros abattoir. Là. Vous avez comme une possibilité de combien d'employés? Je ne sais pas, mais c'est beaucoup. Ça s'appelait Lucipar. Ça a été acheté par Alimel. Fait qu'une fois qu'on va avoir rentré là, ben, on va y aller chez Alimel. Ben, ouais. Voilà. Mais c'est voilà. Beaucoup, effectivement. Je ne sais pas si le timing est bon. En tout cas, j'attends juste mes dépliants puis pour les appeler, prendre rendez-vous. Je sais que le timing n'est pas est super là, ces temps-ci. C'est pour ça qu'on s'est trouvé un plan B avec les GA. Parce que là, ils sont dans une partie où il y a un manque d'employés. Ils sont obligés d'abattre des animaux. Voilà. Mais quand même. Mais dans les faits, là... Quand vous contactez l'employeur, des fois, si vous dites, ah, c'est pas le bon moment, c'est pas grave, mais vous dites, à quel moment vous aimeriez que je vous recontacte? C'est quoi le moment d'analyse qui est bon pour vous? Parce que si tu le contactes cette semaine, avant qu'il comprenne, puis que tu aies deux, trois rencontres, puis le projet démarre, bien, ça va être quand même, ça ne sera pas cette semaine non plus. Mais c'est ça aussi dans le rythme, des fois, là, ils disent, c'est pas le bon moment pour différentes raisons. Fait que, mais gardez le lien. Des fois, ils sont bien occupés de dire, écoute, on préfère juste un petit projet avec 5 personnes, t'es meilleur. Puis, tu sais, il y a aussi des stratégies à faire de dire, on fait tout le monde, ils ont 200 personnes sur le plancher. Là, il faut... Fait que des fois, y aller à réaliste, quand on commence à plus petits pas, là, des fois, ça peut dire, on va voir quelques-uns, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis aussi, tout le temps, garder en tête de bien analyser comme vous avez fait, là, chez l'autre, entre le magasin que vous avez nommé. À ce moment-là aussi, qu'est-ce qui est RAC FMS? Qu'est-ce qui pourrait être le DEP pour vraiment aussi distinguer puis vous assurer que vous ciblez les bonnes personnes? Même encore une fois, mon grand rêve, d'avoir des parcours, parce que ça peut être plaisant aussi de regarder avec
vos homologues de la RACAFP pour dire on va voir l'entreprise, mais on aimerait ça un jour offrir un parcours complet, ou est-ce que là, c'est encore plus intéressant, mais merci, Hélène. C'est le fun, les après-cours, on va pouvoir se donner des nouvelles de mois en mois, comment ça s'est passé. Excellent. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait prendre la parole? Bien, je peux y aller. Je me présente, Sophie Mayotte, agente de développement au Centre de services scolaires des Sommets en Estrie. Donc, nous, on débute l'exploration pour la RAC FMS. Donc, la semaine prochaine, je rencontre mon équipe école pour voir est-ce qu'on a des élèves à l'intérieur de notre centre qui travaillent, avec qui on pourrait expérimenter à petite échelle, un ou deux élèves, une démarche de RAC là, pour s'approprier les instruments et tout ça. Donc, on débute. Là. On n'est pas encore rendu au démarchage auprès des entreprises, mais on va s'y rendre un jour. Bien, merci beaucoup, Sophie. Puis des fois, si tu n'hésites pas, là, je sais que on s'était parlé un peu avant les fêtes, tes nouvelles, fait que des fois, si tu veux qu'on aille juste une petite rencontre, je te montre où sont les outils et tout, là. Je sais que je t'avais envoyé un courriel, mais n'hésite pas. Merci. Alors, est-ce qu'une autre personne aimerait prendre la parole? Puis des fois, c'est de dire où est-ce que vous en êtes. Vous êtes peut-être encore dans l'organisation interne, là, mais c'est toujours intéressant là, de vous entendre. Fait que si jamais là, vous voulez dire des choses, n'hésitez pas. On va continuer avec l'ordre du jour, là, où est-ce que je voulais peut-être aborder la partie de cherchement d'autres choses sur mon ordinateur. Peut-être à l'étape, là, au niveau des étapes là, de notre démarche. Puis je vais juste partager pour le fun le schéma de la démarche. Pour situer un petit peu là, de quelle étape j'aimerais qu'on discute un petit peu plus en détail cet après-midi. Là, je vais la chercher dans notre fameux guide. Donc, dans notre guide administratif là, sur la RAC FMS qu'on peut retrouver sur le site accompagnementfga.ca, bien, on parle de la démarche, évidemment. Là, on en a parlé. Hein, est-ce que la demande de l'adulte direct, un petit peu, la dernière interlocutrice, elle a dit, bien, c'est ça, on va aller voir les adultes directs pour voir dans notre centre ceux qui sont en je ne sais pas, j'imagine, en formation générale, puis s'ils ont des emplois pour des métiers semi-spécialisés, bien, ça, c'est une belle manière. Sinon, au niveau des employeurs, on a Mme Forcier qui a dit, bon, ben, on va aller voir un abattoir. Fait que dans le fond, il y a deux manières d'entrer dans la démarche. Ou est-ce que vous allez rencontrer l'employeur et l'employé d'une manière ou d'une autre? Ou est-ce que si tout le monde dit oui à ce moment-là, bien, il va y avoir la préparation du dossier, vous allez l'analyser, il va y avoir l'entrevue de validation. On en avait parlé la dernière fois. Puis là, on va arriver à l'étape de l'observation des compétences du métier. Puis, si toutes les compétences sont bien observées, à ce moment-là, on va évidemment avoir la rencontre d'évaluation. Fait que ce qui est important de mentionner, c'est que l'observation des compétences, ça se fait avec, je vais en ouvrir un là, avec le document, c'est le cahier d'observation des compétences. Là, il va ouvrir dans une petite minute. Voilà, cahier d'observation et d'évaluation. C'est quand même le document le plus complet, je dirais, là, dans toute notre instrumentation de RAC FMS. Puis à ce moment-là, bon, il y a une table des matières, on explique un peu, on donne des consignes. Ah non, quand je clique dessus, je ne me rends pas. Je vais descendre un peu. Fait qu'à ce moment-là, pour chacune des compétences, ça c'est des explications, là, mais dans les faits, pour chacune des compétences, on retrouve le nom de la compétence, si c'est qualitatif ou pas, son numéro de compétence. On indique les critères de performance, puis on demande à la personne spécialiste du métier d'observer la personne candidate en train d'effectuer sa tâche, puis de déterminer est-ce que la personne est capable d'exécuter cette tâche-là en respect des critères de performance. Oui ou non. Normalement, non, ils ne vont pas nécessairement l'écrire, ils vont peut-être juste aller voir la personne pour dire, écoute, je t'ai vu aller, puis telle affaire, tu es mieux de le faire autrement, ça va être mieux, etc., etc. Donc, c'est ça. Puis une fois que la personne, bien, il a observé que la personne là, a exécuté toutes les compétences,
À ce moment-là, il peut signer spécialiste du métier. Là, je rapetisse un petit peu, juste pour que vous voyez le global. Une fois que chacune des fiches vont avoir été remplies, c'est là qu'il va avoir l'enseignant, la personne enseignante va venir faire la rencontre avec le spécialiste du métier et la personne candidate pour juste revoir comment s'est fait les observations, y a-t-il des problèmes, etc., pour juste s'assurer que ça a été fait, l'observation. Puis à ce moment-là, elle va pouvoir mettre ses cas compétences reconnues pour chacune des compétences et contresigner. Fait que la personne enseignante va contresigner pour chacune des compétences parce que pour vraiment démontrer qu'elle a questionné là-dessus puis que la personne est vraiment capable de le faire. Donc, c'est un petit peu l'objectif de la rencontre. Et finalement, je vais vous montrer là, l'exemple de fiche d'évaluation. Donc, la fiche d'évaluation, encore une fois, c'est là qu'elle va aller mettre le verdict de succès si toutes les compétences ont été bien démontrées. Puis à ce moment-là, c'est là qu'elle va mettre le verdict pour la partie là, préparation au marché du travail. C'est là qu'elle va mettre son verdict de succès. Puis nous autres, on avait quand même demandé les signatures de tous pour s'assurer que les trois parties, candidats, spécialistes du métier puis enseignants, soient vraiment présents. Mais il faut vraiment que ce soit là, enseignant, il ne faut pas que ce soit conseillère pour la rencontre finale. Parce que, comme on répète souvent, vous savez, il y a plus de 130 métiers, puis à ce moment-là, il n'y a pas d'enseignants qui connaissent les 130 métiers semi-spécialisés, mais vous pouvez tous les offrir. Fait qu'à ce moment-là, on doit vraiment s'appuyer sur le spécialiste du métier. Fait qu'est-ce qu'il y en a qui en ont eu là, dernièrement là, ou qui aimeraient partager? Comment ça s'est passé, l'observation des compétences? Parce que ce n'est pas si facile que ça de donner une grille à cocher à une personne de l'entreprise, puis de dire qu'il faut que tu observes tout le monde. Hein? Des fois, ça peut être un peu demandant, j'ai-tu envie, ça fait beaucoup de papier, il y a différents obstacles. Donc, j'aimerais vous entendre, parce que c'est pas... oui, on a peut-être la belle démarche avec le beau guide administratif, mais quand on arrive sur la réalité là, du plancher des vaches, bien, des fois, il peut y avoir certaines résistances, puis des fois, c'est juste de s'inspirer à savoir qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on suggère, pour l'utilisation de ces documents-là. Je vais vous laisser une petite minute pour y réfléchir. Toujours hein, de partager un peu comment ça s'est passé. Des fois, ça peut être aussi des écueils, des résistances que vous avez rencontrées. Vous savez, on est en expérimentation dans le sens où que des fois, vous faites vos premiers projets. C'est toujours plaisant que ça soit partagé. Peut-être, je ne sais pas, Isabelle, là, si tu serais d'accord, Isabelle Tourangeau, de reprendre la parole. Dans le fond, là, parce que vous étiez dans votre restaurant, est-ce que vous avez commencé les observations dans le milieu de travail, Isabelle? Êtes-vous rentrée là dans votre projet? Ce que je fais, c'est quand j'arrive en entreprise et que je donne la grille, bien, je la regarde avec l'employeur, avec l'expert de métier. Je fais un survol de la grille pour voir s'il comprend bien. Parce que des fois, dans ce qui est écrit et dans ce qui se passe sur le plancher, il y a une différence. Fait que je m'assure de la compréhension de la grille parce qu'on les laisse aller avec la grille. Là. C'est eux autres qui sont les experts sur le plancher. Fait que on fonctionne comme ça. Mais la plupart du temps, c'est ça que j'essaie de faire le plus possible. Là. Si c'est... ça ne se propose pas parce que des fois, ils n'ont pas le temps de s'asseoir pour regarder ça. Bien, je leur demande d'en prendre connaissance puis on se recontacte avant qu'ils commencent l'évaluation pour faire sûr que s'ils ont des questions, que je puisse répondre à leurs questions. Parce que comme conseillère, tu donnes vraiment un accompagnement soutenu, c'est ça, aux spécialistes du métier. C'est ça, c'est pas, tiens, regarde, on va le regarder ensemble, on va prendre le temps. Des fois aussi, il faut valider hein, le niveau de lecture. Oui, spécialiste du métier, il faut valider ça parce qu'on le sait, là, dans les métiers spécialisés, il y a toutes sortes de personnes qui sont sûres qu'ils font très bien leur travail. Puis, tu sais, puis. Il y en a qui n'ont pas la compréhension de la formulation. Fait que oui, il faut le faire. Puis, en toute humilité, là, c'est. Je pense que c'est pas ça qu'on veut juger. Bien,
on est là pour aider. Puis quand on va se rendre dans les milieux de travail, hein, on voit des choses, puis on peut revenir vers notre organisation pour voir, y a-t-il d'autres services qu'on pourrait donner à ces gens-là? Vous savez que la formation de base en entreprise, Emploi Québec, la finance à 100 % incluant le salaire des travailleurs. Mettre ça de l'avant parce qu'ils se disent, le Québec, ça n'ira pas bien tantôt là, si on continue à perdre ces compétences de base-là. Fait que des fois, quand tu vois là, que oups, ça pop, là, qu'il y a des difficultés, puis que des fois aussi que tu observes dans le milieu qu'il y a quand même beaucoup de lectures, d'écriture, des bons de commande, à ce moment-là, tu peux regarder avec les collègues là, des services d'entreprise ou des agents de développement des centres d'éducation des adultes pour dire est-ce qu'on peut faire quelque chose là aussi? Fait que ça, il faut l'avoir en tête. Puis on a Richard qui nous dit 19 % des Québécois sont analphabètes et 34 % éprouvent de grandes difficultés de lecture et ceci au niveau 2 de littératie. Puis là, nous autres, on arrive avec un document, c'est écrit. C'est tout écrit, c'est autoportant, tout est écrit dedans, c'est sûr que, mais c'est ce qu'il faut savoir bien lire, il faut savoir décoder ce code-là, qui est l'écriture du français, ouais. Pour l'utiliser. Fait que soyez bien, c'est ça, soyez bien sensible à ça pour les spécialistes, parce que si la personne dit « Ah, j'ai pas le temps de le regarder avec toi, je vais le regarder chez nous », ça c'est un signe, là, tu sais. Puis ouais, des fois, c'est un signe non avoué qu'ils ont une difficulté avec ça, mais ils ne le diront pas. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, ça peut être aussi qu'ils aillent observer, tu sais, comme qu'on fasse une liste plus simple des tâches. Puis après, toi, tu traçais avec la personne pour dire ça, là, tu as vu, as-tu une. Je veux juste rajouter une petite affaire parce qu'il faut que je quitte à quand j'ai un rendez-vous. J'ai un expert dans une cour de quincaillerie qui est mon expert de métier. J'ai un jeune qui est en train de faire une reconnaissance là. Puis j'ai demandé à la secrétaire de la bâtisse, là, celle qui travaille dans les bureaux, de regarder point par point. Je l'ai expliqué à elle, puis de regarder point par point avec son expert. Parce que l'expert, là, il est expert dans sa cour à bois, il n'est pas expert dans. Fait qu'elle dit, je vais m'assurer qu'il y a une bonne compréhension. Puis, fait que il y a même d'autres gens qui viennent interférer là-dedans, là, dans ce. Merci, avec qui, Isabelle. Avec qui sont plus à l'aise. C'est extraordinaire ce que tu fais. Merci vraiment. Merci, puis désolée, mais il faut vraiment que j'y aille. Bonne fin de réunion. Bye-bye. Puis on est intéressé des ententes, ces écueils-là ou ces choses-là, parce qu'en effet, nos personnes qui éprouvent de grandes difficultés en lecture et écriture, ben, ça se peut que ça soit nos personnes dans les entreprises qu'on vise, là. Fait que si on s'en rend compte, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, même comme conseillère à CFMS, assurez-vous de savoir, là, c'est quoi les services offerts en formation de base en entreprise dans votre centre de services scolaire, connaître la personne qui est responsable, là, ça peut être des beaux vases communicants. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait prendre la parole pour l'étape là, d'observation des compétences là, quand ils l'ont fait? Comment ça s'est passé? Ben, moi, j'aurais peut-être un petit point. Là. En fait, moi, mon nom, c'est Valérie. Je suis de la Riveraine. Puis dans le fond, des fois, les difficultés que j'observe à l'évaluation puis observation, c'est quand je donne un exemple, j'ai fait préposer à l'entretien ménager. C'est ça. Puis, dans le fond, dans les compétences, il y a remettre les factures aux clients ou quelque chose comme ça. Puis, l'employeur m'a dit, tu sais, dis-moi, je ne fais jamais toucher les factures à mes employés. C'est toujours moi qui gère ça. Fait que là, puis ça, remettre la facture aux clients, bien, c'est une compétence obligatoire, mettons. C'est pas facultatif. Fait que c'est là que des fois j'ai un peu de misère parce que des fois on y va avec quelque chose qui est transférable ou de similaire, mais là j'ai dit une facture le gestionnaire est comme pas d'accord à ce que ce soit l'employé. Fait que là j'ai dit crime. Là j'ai dit, je peux pas empêcher une. Je trouvais ça dommage parce que c'est le seul point qui faisait en sorte que la préposée ne pouvait pas recevoir son certificat. C'est pour quel métier, Valérie?
C'est préposé à l'entretien ménager, c'est soit d'édifices publics ou dans les maisons, je ne me souviens plus. Puis il y avait une petite une tâche là, dans une compétence qui disait remettre la facture à l'usager. Je ne me souviens pas exactement comment c'est formulé. Fait que des fois, je suis toujours capable souvent de trouver quelque chose qui est ressemblant. T'sais, si exemple, caissière, c'est remettre un pamphlet promotionnel des spéciaux de la semaine prochaine dans le sac. Puis le magasin que je vais, ben, ils n'en font pas de pamphlets promotionnels. Ben, j'ai dit, ben, est-ce que tu mets une facture dans le sac? Est-ce que tu mets d'autres choses dans le sac? Puis là, ils me disent oui. Fait que, on est capable d'y aller des fois avec quelque chose qui est très connexe. Là. Je veux dire, c'est la même action. Mais il y a des fois où est-ce que le fait que la compétence soit obligatoire, puis que je ne suis pas capable de trouver quelque chose de similaire, ça, je trouve ça moins évident. C'est sûr que là, je demande un peu la collaboration de l'employeur, dire est-ce que ce serait possible dans tel cas, étant donné qu'on fait la reconnaissance des acquis, de lui montrer, ne serait-ce que quelques fois, est-ce qu'elle peut remettre la facture à quelques occasions pour qu'on puisse pas la bloquer là, dans sa certification. Mais moi, Valérie, en tout cas, tu m'enverras un petit courriel pour me dire vraiment c'est quel métier, parce que moi, ça m'étonne qu'on ait ça dans un métier. Fait que je voudrais vraiment aller voir sur le site des métiers, parce que des fois, on prend des vieilles affaires qu'on a chez nous, qu'on a mis ça, je ne sais pas. En tout cas, j'aimerais ça valider la présence pour quel métier. Puis des fois, c'est certain que si, tu sais, là, peut-être Mélanie Poulin, si tu es encore là, tu pourrais prendre la parole. T'sais, si jamais on voit qu'il y a quelque chose que ça ne se fait plus, à qui on doit l'adresser, puis comment? Parce que Valérie, je regarde là, puis moi, je vois remplir une feuille de temps ou une facture. Donc, puis en tout cas, fait qu'on pourrait, la regarder comme il faut, là, les métiers ensemble, Valérie, pour être sûre que... Même l'interprétation du libellé, là, peut-être que ça pourrait simplifier encore plus. Ouais, peut-être que c'était ma compréhension de départ qui était problématique. Là, ça se peut. Je me souviens juste que c'était marqué plus peut-être, je ne me souviens pas comment tu as dit ça, Marie, mais c'était peut-être une facture ou un billet de travail, ou je ne me souviens pas quoi, mais en tout cas, c'était pas fait. C'était la seule affaire qui n'était pas faite. Et je pourrais vous l'envoyer là, quand je vais retracer la compétence. Je vais d'abord m'assurer que je l'ai bien, bien comprise moi-même. Bien, écoutez, des fois aussi, quand vous avez des doutes comme ça, ou là, vous avez un écueil, il y a juste ça, puis on ne sait pas quoi faire. Appelez, contactez-moi, là, utilisez mes coordonnées, Valérie. Mélanie Poulin, évidemment, elle est toujours là dans le support, mais des fois, elle me renvoie. En tout cas, c'est vraiment complexe. Moi, je vérifie avec Mélanie là, pour avoir la réponse finale. Mais tu sais, quand vous êtes dans une situation que là, vous ne pourrez pas le faire pour une personne, pour une chose, on peut vraiment se parler ensemble pour être sûr là, qu'il n'y a pas d'autres solutions. Mais, il y avait Mathieu qui avait levé la main, je crois. Je ne sais pas, Mathieu, si tu voulais ajouter quelque chose. Bonjour, Mathieu. Salut. Ben, je pourrais, mais c'est juste une question parallèle. Là. Mettons qu'on n'est pas capable de trouver la compétence, tout ça. Tu sais, des fois, je le fais là, quand j'évalue des jeunes en CFMS. Là, je pourrais-tu, par exemple, dire t'as-tu un ancien employeur que tu as fait quelque chose de similaire comme ça? Puis je pourrais-tu rejoindre l'ancien employeur pour me confirmer une compétence, exemple? Si ça fait 2-3 ans, ou c'est-tu des options possibles, ça? Parce que moi, je le fais des fois en CFMS, là, quand la personne a fait une job. Je fais « OK, gars ». Puis des fois, je fais une mise en situation aussi, puis je m'en ai en l'employeur. Il y a certaines compétences là, qui sont comme facultatives. Souvent, là, je fais des mises en situation, tu ne l'as pas faite, mais est-ce que tu connais les procédures? Est-ce que tu... Puis après ça, je demande au gérant, tout ça, ou à la personne spécialiste de métier, est-ce que si tu la mets en contexte, est-ce que tu crois qu'elle peut réussir tout ça avec les procédures, etc.? C'est-tu des choses qui peuvent être applicables aussi à l'ARAC, ça? C'est un exemple que je demande. Bien, j'aurais deux éléments de réponse. C'est sûr, il faut tout le temps quand même, au début, valider, là, avant de débuter la démarche, que toutes les compétences du métier soient appliquées. Comme ça, s'il y en a qui ne sont pas là, on peut tout de suite y réfléchir pour adresser, pas se retrouver comme en cours de,
en cours de processus puis qu'on ne peut plus avancer, là, ça, c'est quelque chose que je suggère. Moi, je pense que dans des situations comme ça, vous avez un jugement professionnel à faire, puis il faut vraiment voir est-ce que c'est une des compétences les plus importantes du métier, puis que c'est tous les éléments de cette compétence-là qui ne sont pas mis en œuvre, ou c'est une petite ligne que... C'est, fait que je pense que vous avez un jugement professionnel pour trouver des solutions, puis oui, contacter un ancien employeur, ça pourrait être quelque chose de possible, mais pas pour la moitié des compétences du métier, là, mais peut-être pour une petite ligne de dire, je le faisais à l'autre place. Tu sais, je pense qu'il faut quand même... Non, mais je parle juste qu'il y en a un écueil, que c'est une petite chose, là, que dans le fond, c'est pas ça qui fait la différence. Le 99% est évalué, puis il manque un petit pourcentage. Ben, tu sais, si tu as l'option d'aller voir avec c'est un ça. Ancien employeur. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne vont pas faire, là, comme mettre une affaire promotionnelle dans un sac, ils ne le feront peut-être pas à tel endroit, mais elle l'a peut-être déjà fait à un autre endroit. Oui, ben, je pense qu'il faut des fois explorer là, différentes solutions là, comme professionnel, souvent pour déposer un jugement là-dessus. C'est certain, quand on fait de la reconnaissance d'acquis dans un programme d'études, c'est parce que quand la personne reçoit, dans ce cas-ci, le certificat de formation métier semi-spécialisé, c'est que ça communique qu'il est capable de faire toutes les tâches du métier, peu importe où est-ce qu'il va travailler. Puis c'est ça la différence d'être formé dans une entreprise, puis on est capable d'être caissier ou IGA, puis c'est ça qu'on fait, puis caissier au métro, il y a peut-être des choses qui nous différencient d'une place à l'autre, il y a peut-être des compétences qui ne sont pas les mêmes. Mais quand on donne le certificat du métier semi-spécialisé, c'est que la personne, elle a toutes les compétences du métier, puis même si elle change d'employeur, bien, elle va savoir comment faire l'ensemble des compétences du métier. Fait que c'est toujours de se dire, quand puis c'est vraiment le ministère qui va délivrer le certificat, c'est lui, il met le stem que cette personne-là est capable de faire toutes les compétences du métier. Fait que vous êtes responsable, hein, vous devez vous assurer que quand le ministère délivre, c'est parce que la personne est bonne dans son emploi actuel, mais si elle change d'emploi, elle va être aussi bonne ailleurs parce qu'elle a les compétences du métier au-delà de l'employeur actuel. C'est ça un diplôme ou un certificat. Oui, bonjour. J'ai trouvé, je fais suite là, en fait à la question là, pour le où est-ce qu'il y avait celui de faire le paiement. Le CFMS, c'est le CFMS préposé au service aux tables dans un restaurant. Okay. Et, j'avais le même questionnement parce que tu vois, je suis en train de certifier, de regarder pour certifier des dames qui font du service aux tables dans des centres de personnes âgées. Et il n'y a pas de paiement. Donc, ils font toutes les autres tâches, mais il n'y a pas le paiement. C'est un service qui est inclus. Et j'avais le même questionnement, puis je suis allée regarder dans d'autres CFMS, puis là, je me dirige plus vers des CFMS qui sont plus en entretien ménager, mais je suis bien déçue parce que tout le reste coordonne vraiment avec ce qu'ils font. Donc, je ne sais pas si ça peut répondre à la question, là, mais c'est lui, moi aussi, ça m'embêtait là, pour le paiement. Wow! Et quelle belle! Bien, premièrement, mais Ariane, tu es dans quel centre de service scolaire pour le bénéfice? Je travaille comme ça, scolaire des Bois-Francs. Je travaille dans une entreprise d'insertion. Bon, merci. Écoutez, c'est quelle bonne question. C'est service au temps, mais sans résidence pour personnes âgées. Est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait faire une mise en situation vraiment, tu sais, d'avoir quelque chose? T'sais, est-ce qu'on pourrait à ce moment-là trouver quelque chose pour l'apporter, pour faire une mise en situation avec la collaboration des personnes âgées qui sont là pour dire la personne va vous donner une petite facture, vous allez payer tout ça. Est-ce que ça pourrait être fait en mise en situation à ce moment-là, s'ils veulent vraiment le métier? Je ne sais pas là, si peut-être d'autres personnes ont des idées. Des fois, de regarder, est-ce qu'on peut le faire en mise en situation si ce n'est pas nécessairement... Parce que des fois, ça va vous arriver, là. On en parle, Valérie, ça va nous arriver. Ça va tous nous arriver qu'il y a une tâche qui dise, ah, ça, c'est nous autres, c'est une autre personne, il ne touche jamais à ça. Si ça existe dans l'entreprise, ça va bien, on demande qu'ils l'apprennent, c'est une chose. Mais si ça n'existe pas, parce que c'est un cas vraiment particulier et intéressant... À ce moment-là, peut-être de le mettre en mise en situation parce que c'est certain que le certificat, ça dit que la personne est capable de faire les postes d'un peu serveur, les postes de serveur, parce qu'on s'attend qu'il soit capable de recevoir des sous, donner le change, passer la carte.
Est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait faire une petite formation dans votre centre d'éducation des adultes sur ces éléments-là pour le donner plus en formation? Est-ce que ça pourrait être ça? Parce que ça, je pense que c'est quand même une partie pour service aux tables, là. Tu sais, quand je disais, il y a des affaires que, tu sais, on peut être moins pointilleux, puis il y a peut-être des affaires qui sont quand même, qui font partie du cœur d'un métier. À ce moment-là, ça pourrait être de le donner dans le centre, là, cette compétence-là, si vous avez les équipements nécessaires. Il y avait deux mains levées qui se sont baissées. Oh! Il y avait Mathieu et il y avait Émilie, je pense. Oui, ben peut-être Émilie, tu n'as pas encore parlé, puis après Mathieu. Bonjour, mais je demandais juste, c'est en réponse à Ariane pour le centre, résidence. Tu sais, il y a l'autre qui est le préposé au service alimentaire, que là, c'est clair que c'est vraiment plus en termes de milieu où ça ne paye pas. Et tu sais, je ne sais pas si les autres tâches y rentraient là-dedans, mais des fois, c'est peut-être juste pas le bon chapeau, si on veut, parce qu'il y a des métiers, il y en a un puis un autre, il faut les avoir regardés pour savoir tout ce qu'il y a, là. Mais de peut-être de vérifier l'autre. Mais c'est sûr que l'autre, il y a beaucoup de la préparation des chariots aussi, ces trucs-là. Fait que, si les tâches sont vraiment divisées, ça se peut que ça ne rentre pas. Mais dans celui-là, il n'y a pas de question d'argent du tout, là, parce que c'est vraiment service alimentaire, justement, dans les résidences et ces choses-là. Merci. Bien, merci, Émilie. Je pense que, je veux dire, le choix judicieux du métier, là, ça, c'est la base. Ça, c'est vraiment la base. En discuter avec l'employeur, retournez voir vos métiers. Puis sinon, ben, à ce moment-là, regardez, est-ce que ça peut être donné une formation par l'employeur ou une formation par le centre de services scolaires. Mathieu, avais-tu une dernière intervention? C'est ma collègue qui avait demandé cette question une fois, si on pouvait soumettre des nouveaux titres de métier, puis on avait dit que oui, là, qu'on pouvait transmettre. Fait, mettons, là, on a vraiment beaucoup de personnes qui sont en restauration puis qui travaillent dans les passoires. On pourrait-tu créer service un nouveau CFMS en lien avec ça, qui n'a pas genre de vraiment payer, c'est juste en lien avec les salons. C'est, ou c'est pas assez spécifique, on ne pourrait pas faire une nouvelle demande de CFMS, un nouveau métier, mettons. Ça serait, il y a trop de compétences liées, hein? Mais Mélanie, je vais te laisser répondre. Je me pose une question, si ça peut être une option. Tu sais, ça en a 10 de même, ou 15, là, ça peut valoir la peine de soumettre un métier. Mais bon. Mais si c'est un métier qui est vraiment, vraiment similaire, non, normalement, on ne va pas développer un autre métier. On va vraiment voir si les compétences sont bel et bien toujours de nature obligatoire ou s'il n'y a pas lieu de les rendre plus facultatives. Puis si c'est vraiment comme un nouveau métier que vous voulez créer, bien là, à ce moment-là, c'est toujours possible de me transmettre comme une brève description ce que vous voulez par courriel, puis nous, on procède à une analyse de notre côté. Là. Ça dépend un petit peu là, de ce qui est souhaité. Non, mais c'est ça, je pensais là, que si les compétences sont trop similaires, puis il y a juste deux, trois compétences que la personne ne peut pas obtenir, ça fait un métier trop similaire. Je m'en doutais, là, mais je posais la question quand même, cool. Bien, c'est aussi la différence entre un projet que vous faites avec une entreprise avec des attestations maison, des attestations de compétences que vous donnez, puis c'est un projet avec l'employeur, avec seulement les compétences de l'entreprise, plus un sur-mesure. Bien, c'est différent que pour avoir le CFMS, bien, c'est parce que la personne, on vise des personnes qui font toutes les compétences du programme d'études. Puis, tu sais, c'est ça aussi, là. Puis, aussi, en formation professionnelle, c'est pareil. Il y a des gens qui font plein de belles choses, mais c'est pas ça notre programme d'études. C'est d'autres choses, le programme d'études. Bien, il n'y a pas de miracle. Ça veut dire que ce service-là, ça ne s'adresse pas nécessairement. On peut probablement l'offrir à ces personnes-là, mais je le répète. Prenez le temps de regarder c'est quoi les options, c'est quoi les différents métiers. Y a-t-il un métier finalement qui ressemble mieux? Puis, s'il y a vraiment des éléments qui pourraient être faits autrement, on doit s'assurer que la personne, elle est capable de le faire. Si elle change d'emploi, elle montre son certificat à l'employeur, puis elle dit oui, tu as un certificat là-dedans, je t'embauche. Mais l'employeur, tu sais, c'est la valeur. T'sais, on dit la valeur du diplôme, la valeur du certificat. S'il s'attend que la personne va être capable de faire les tâches principales du métier. Oui. Mais juste question, si la personne a été caissière ailleurs ou quelque chose comme ça, là, on pourrait approcher l'ancien employeur. Ça ne fait pas 20 ans, là, tu sais, ça fait 2 ans, mettons, ou un an. Ça pourrait être une option, me semble.
Mais dans le fond, bien, Mathieu, c'est vraiment intéressant parce que, en effet, est-ce qu'on pourrait faire un métier, mais chez deux employeurs? Tu sais, c'est ça que tu dis, parce que la reconnaissance de qui? On reconnaît l'expérience de la personne, on reconnaît ses compétences. Si elle l'a déjà fait ailleurs, bien, y a-tu moyen de retourner là pour faire ces tâches-là? Je pense que ça peut être des idées qui sont possibles. Est-ce qu'il faut repasser à travers toute la paperasse avec un autre spécialiste de métier puis tout ça aussi pour si c'est juste une ou deux compétences? C'est ça, c'est plus ça ma question, parce que là, si tu recommences toutes ces étapes-là avec quelqu'un pour deux compétences, ça fait du travail énormément. C'est sûr que là, c'est plus de travail, mais en tout cas, c'est des fois de valider. Parce que qu'est-ce qu'on souhaite pas pour la RAC FMS, c'est que l'employeur dit oui, capable, on coche, puis on donne, on souhaite qu'il y ait vraiment une observation formelle, que la personne le fait pour s'assurer qu'elle est capable de le faire. C'est comme de dire le prof de maths qui parle aux parents, que le parent dit oui, il a fait tous ses devoirs. C'est pas assez pour dire, as-tu compris la matière? On doit quand même nous s'assurer que la personne a en reconnaissance de qui, la personne doit démontrer sa compétence, fait que quelque part, il faut voir qu'elle refasse d'une manière ou d'une autre. Fait que ça peut être dans un commerce que vous connaissez, puis dire, écoute, j'aurai quelqu'un, on va faire un petit stage d'une journée, ils vont le faire. Donc, c'est réfléchir à des milieux de stage que vous avez déjà, que la personne vienne dans un milieu de stage que vous êtes déjà en lien. Je pense qu'on peut toujours trouver des façons, là, mais c'est certain que ça se peut que pour certains cas, ça va être un peu plus de travail. Marise, on avait Simon. Je ne sais pas si tu voulais prendre une dernière question. Ben on oui, avait Simon. Ben oui. Ben, c'était bonjour tout le monde, commission scolaire, centre de services scolaires de l'énergie. Donc, tu sais, en reconnaissance des acquis des compétences, s'il est capable de démontrer, tu sais, si elle le démontre, que ce soit d'une façon ou d'une autre qu'elle est capable, c'est pas nécessairement lié à l'employeur présent. Tu sais, fait que on lui demande de faire une tâche, elle l'a fait, elle est capable de le faire. Si c'est de mettre un papier dans un sac de papier, ben à ce moment-là, tu nous démontres que tu es capable de mettre un papier dans un sac de papier dans tel contexte, OK, parfait. Bon, ben là, oui, c'est acquis, là. Bien, c'est ça, pour pouvoir trouver là, des manières, des fois, quand il y a des petites choses comme ça, de dire, bien, si tu avais à le faire, qu'est-ce que tu ferais? Si je t'en donne, est-ce que tu le mettrais dans la maison? Mettons, là, on vient pour les trucs ménagers, là, bon, bien, où est-ce que tu le mettrais dans la maison? Comment tu disposerais, là, tu sais? On peut faire des choses comme ça. Mais en général, tu sais, souvent, s'il y a des cas particuliers, là, des fois, qu'il y a une compétence plus difficile, mais faut y penser en amont. Il faut y penser en amont. Ce n'est pas à rencontre d'évaluation pour dire « Ah, finalement, vous ne l'aviez pas, ça. » Quand vous rencontrez l'employeur, c'est là que c'est le bon moment pour valider que toutes les compétences sont faites. Oui, Mathieu? Mais, par exemple, là, mettons, là, il veut payer là, dans son milieu, là, puis là, la personne a déjà été en restauration, tout ça. Moi, j'en connais là, qui sont en restauration, là, parce que j'en évalue. Là. Fait là, je dis... Ben gars, je vais te placer une journée, j'ai une gérante qui est prête à t'observer, puis on va te mettre en contexte, puis démontre-nous que tu es capable de le faire. Puis après ça, avec elle, que j'ai déjà rencontrée, que la gérante qui est spécialiste de métier, que je connais, elle est capable d'évaluer, qui est capable de faire les paiements, mais c'est-tu suffisant de cette façon-là, exemple? Ça peut-tu être dans les faits, c'est ça. Tu sais, tantôt, j'ai présenté là, le cahier d'observation des compétences, mais elle va remplir une fiche. Dans le fond, là, tu vas lui donner, mettons, la fiche de cette compétence-là. Elle va la faire, elle va signer son nom. Ouais. Ça va être ça. OK. Moi, c'est comme ça que je procéderai. Écoutez, ça va être, bien, on va tirer à la fin là, au niveau de notre rencontre d'une heure des après-cours. Mais par contre, on le fait pour de vrai, la RAC FMS, ces éléments-là qui vont ressortir. Puis ça va être intéressant de discuter là, ensemble des... Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait? Puis à un moment donné, on pourra faire d'autres petits documents, questions-réponses, rajouter des questions-réponses dans la foire aux questions pour justement voir les situations de terrain. Puis en tout cas, c'est intéressant puis c'est agréable de vous entendre. Vous êtes vraiment, vous voulez permettre aux gens d'avoir leur certification. Vous travaillez fort. Donc, je vous remercie infiniment.